Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une vidéo vraiment importante. Je demanderai vraiment à tous ceux qui regarderont la vidéo de partager, mettre un petit pouce bleu, parce que ça peut vraiment aider pas mal de gens qui veulent jouer sur plusieurs comptes, entre guillemets. En fait, je vous explique, vous pouvez en fait jouer sur différents serveurs, sur d'autres appareils, sur le même compte. Ça veut dire que si tu sauvegardes ton compte, ton gros compte, avec Google, Facebook, ce que tu veux, et que tu veux en même temps jouer sur un autre serveur et que tu veux du coup avancer ton petit compte en même temps que ton gros compte, ben tu peux. Ça veut dire que en gros tu peux en gros, alors je vais t'expliquer. En gros, imagine que là, bon, là tu vois, c'est mon gros compte, tu vois, mon gros compte, il est là, je suis sur le serveur 11. Là, imagine, là je lance mon gros compte sur le téléphone, donc avec un niveau 101, serveur 11, je lance, je suis connecté sur la map et là je veux jouer sur un autre serveur en même temps que mon gros compte est lancé sur le téléphone. Est-ce que c'est possible? Voilà, pardon, j'ai bégayé. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc tu vas voir, là, je l'ai sur le serveur 1. J'ai fait exprès de commencer sur le serveur 1. Je lance. Et tu vas voir que mon compte est créé et je peux jouer. Donc je vais lancer le jeu. Et tu vas voir que je peux aller sur mon personnage et jouer sur le compte. Voilà, ma petite princesse. Hop, on lance. Et tu vas voir que du coup, je peux jouer sur deux serveurs sur le même compte. Franchement, c'est lourd. Franchement, c'est top. Franchement, il n'y a pas à dire. Donc, ça veut dire que si entre-temps, tu farmes ou tu fais un truc à côté ou je sais pas, bah, tu peux t'avancer sur le petit compte en même temps. Voilà. Bon, je suis désolé, par contre, ça lag. Je suis sur BlueStacks. C'est pas incroyable. D'ailleurs, pour ceux qui jouent sur BlueStacks, si vous avez des paramètres et tout pour que ce soit fluide, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, franchement ça serait grave cool. Parce que ben moi j'aimerais bien jouer sur PC, ce serait mieux pour les vidéos, les lives, les gars. Le truc c'est que ça lag. Et je sais pas comment faire, que ce soit Nox et tout, c'est pareil les gars. Du coup, je sais pas comment faire. Du coup, voilà. Je trouve que c'est pas fluide en fait. Genre à un certain moment ça va laguer, en fait, ça va se fige. Donc voilà. Bref, du coup, voilà, tu vois que c'est possible. Je suis en train de jouer sur un autre compte sur le serveur 1 et c'est incroyable, ça marche. Donc voilà, les gars. Donc c'est tout pour cette vidéo. Franchement, quand j'ai voulu tester, je me suis dit, attends, ça marche ou pas? Si ça marche, c'est incroyable. C'est-à-dire que je peux jouer sur deux serveurs différents sur le même compte avec un autre appareil. Franchement, c'est cool. Il n'y a pas de jeu qui ferait ça, quoi. Même Ni no Kuni, ça marche pas, ça. C'est pour vous dire à quel point que le jeu, franchement, il est incroyable. Ce jeu, franchement, il frôle la perfection. Honnêtement, il frôle la perfection. C'est incroyable. Donc, bref, voilà. C'est une petite astuce pour ceux qui veulent jouer sur deux serveurs en même temps. Si c'est possible, tout ça, ben ouais, c'est possible. Donc, jouer sur deux tablettes, sur deux téléphones, PC, téléphone, ben, c'est possible. Voilà. Donc, tu peux jouer sur ton gros compte et à côté, tu peux jouer sur ton petit compte, sur un autre serveur. Donc c'est cool. Voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Donc maximum pouce bleu, je compte sur vous pour que la vidéo soit recommandée par YouTube. Donc un petit commentaire de soutien. Ouais, même un petit, même petite phrase, les gars, ça ferait plaisir. Un petit like, partagez en maximum. Et voilà, je compte sur vous pour rejoindre le serveur Discord de la communauté Neverland que j'ai créé moi-même. Donc un serveur basique, simple. Il est éclaté au sol. Mais pour le peu de personnes qu'il y aura, je pense que ça peut suffire. Donc il y aura les codes d'échange, toutes les news. J'essaie de les poster aussi là-bas et sur YouTube. Donc soyez présents. Allez-y. Tout est sur la vidéo. Annonce du Discord sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et vous aurez le lien du Discord là-bas. Donc merci à tous. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao, bye, simère, les gars.